Match de gala à l'occasion du tout premier anniversaire du nouveau leader ABK Radio. Il est presque 10h au stade Iniesh de Bonamoussadi ce 18 novembre 2018. Les équipes ABK Group et Azamur, entendez Association des acteurs des musiques urbaines, s'échauffent. Certains ménagent leurs montures en enfilant des collants, en plus de la tenue de combat que sont les godasses et les maillots. Les pom-pom girls sont plutôt moins expressives et pourtant parées de toutes couleurs. Le coach de l'équipe ABK Group, Didier Kwamo, va et vient au rythme de la pression nécessaire pour la réussite de ce match de gala. Le cri d'égard des équipes lancées, le match démarre. Plusieurs minutes après, des blessures et des massages sont au rendez-vous. L'équipe médicale bien équipée s'affaire pour redonner la forme aux victimes. Pendant ce temps, les papilles gustatives se délectent des jus de gingembre, des canettes de Powell Mat, des pots de yaourt nature, camelet et des hamburgers sont dégustés à volonté. La partie s'achève, le score 1-0 en faveur de l'équipe Azamur. Les vainqueurs sont modestes dans leur victoire. Pour nous, le match il était beau. Un peu très difficile pour ABK. Mais comme c'est là, je me dis que nous avons gagné ensemble. Déjà, je souhaite un joyeux anniversaire au groupe ABK. Et je dis aussi que ABK n'a pas démérité. Ils ont, à la deuxième mi-temps, ils pouvaient remonter la pente. Mais bon, nous a été la vigilance du gardien. L'équipe ABK Group Fair Play dans la défaite annonce une revanche prochaine. On va demander à nos adversaires, à nos futurs adversaires de bien se tenir. C'est pas parce que nous avons perdu une fois que nous allons encore perdre. D'ailleurs, c'est l'une des premières défaites. La remise de trophée et le mot de félicitation du directeur général d'ABK Group, Alain Belmont-Kamenier, a laissé place à des cris d'allégresse et de victoire des deux équipes.